Cinquième journée de top 14, c'est la reprise pour Grenoble et pour Montpellier après la trêve Coupe du Monde. Dans le public grenoblois, il y a de l'ambiance et on s'agite pour se tenir chaud car les températures ne sont vraiment pas au rendez-vous au Stade des Alpes. Regardez, même le staff du FCG a sorti le bonnet aux couleurs bleu et rouge. Et ce n'est pas le début de match qui va réchauffer l'ambiance, on pouvait même dire que ça jette plutôt un froid. Après une pénalité ratée de Jonathan Wisniewski, c'est Benoît Payog qui va ouvrir le score, mais côté Montpellierin. Après une touche bien captée, ce sont quand même les Grenoblois qui font le jeu en ce début de première mi-temps. Et puis on va le voir avec cette faute au sol des Montpellierins. Une faute qui va permettre à Jonathan Wisniewski d'ouvrir cette fois le score côté Grenoblois et d'égaliser. Mais quelques minutes plus tard, après une nouvelle pénalité grenobloise, il y a 6-3 et c'est Benoît Payog qui va recoller au score pour son équipe. 6 partout donc après 34 minutes de jeu et les deux équipes qui s'observent. C'est justement à la 34e minute que le match va enfin un peu s'accélérer. Vous le voyez ici sur le ralenti, cette faute d'anti-jeu grossière et inutile de Jonathan Best. Jonathan Best qui retient Benoît Payog par la cheville. Trop de fautes. Monsieur Mineri décide de sanctionner et c'est 10 minutes de repos pour Jonathan Best. Best qui écope donc logiquement d'un carton jaune. Et c'est donc sur cette période d'infériorité numérique que les Montpelliérains vont décider d'attaquer. Montpellier qui n'avait pas trop la main sur le ballon pour le moment et qui va lancer sa première vraie offensive avec un bon travail des avants. On les voit tenter d'y aller en force avec du pick and go à quelques mètres de la ligne. Ça ne passe pas, la défense de Grenoble est bien en place. Mais ça repart sur l'aile, mais le ballon n'est pas contrôlé. Si, finalement c'est Andrew Smith qui arrive à le récupérer. L'action n'est pas terminée, surtout que le ballon se trouve finalement les mains de Benoît Payog. Benoît Payog énorme dans ce début de match qui, à la surprise générale, va marquer son essai. On voit la confusion qui règne chez les Grenoblois qui ont du mal à se replacer. Et c'est tout bon pour Payog qui laisse tout le monde sur place et qui permet à Montpellier de prendre le large score à la mi-temps, 9-13. Ça va barder dans le vestiaire du FCG et François Trinduc, lui, a le sourire pour rentrer au vestiaire. Retour pour la deuxième mi-temps avec d'autres envies pour le FCG et Jonathan Wisniewski qui va relancer les Grenoblois avec cette pénalité qui passe 12-13 à la 50e minute de jeu. Benoît Payog n'a pas dit son dernier mot dans cet exercice. Il répond presque au tac au tac à la botte de Wisniewski. Beaucoup de fautes du côté des deux équipes. C'est finalement à la 63e minute que Montpellier va une nouvelle fois prendre le large. Après plusieurs mêlées à l'avantage de Montpellier, malgré une bonne résistance grenobloise, M. Mineri sanctionne les Isérois avec un essai de pénalité. Et cette pénalité un peu sévère sur le coup, mais qui sanctionne les Grenoblois pour l'ensemble de leur œuvre dans ce secteur de jeu. 12-21 puis 23 après transformation facile sous les poteaux de Benoît Payog. Et de mêlée, il en est encore question à la 71e minute, mais cette fois-ci, c'est le FCG qui a le dessus à 5 mètres de la ligne héraultaise. Et bis repetita, Monsieur Mineri va sous les perches pour laisser deux pénalités de Grenoble. Même s'ils ont été dominés par le pack de Montpellier, c'est cette fois-ci le pack de Grenoble qui a le dessus et qui parvient à recoller au score dans les dernières minutes de jeu. 19-23 et une fin de match sous tension pour le FCG. Ça ne va pas s'arranger sur la dernière action avec le MHR qui pousse à l'entrée des 22 mètres isérois. Le ballon qui sort proprement pour François Trinduc. François Trinduc qui ajuste une chandelle dans les 22 mètres grenoblois. À la retombée, il y a Joe Eplon qui est le premier, mais le ballon rebondit sur son épaule directement dans les bras de Marvin O'Connor, lancé qui file à l'essai. On revoit l'échec d'Eplon et l'opportunisme de Marvin O'Connor. 19-30 donc après transformation. 19-30 c'est également le score final. Habituellement intraitable au Stade des Alpes, les Grenoblois se sont fait surprendre et ne marquent aucun point. Belle opération en revanche pour les hommes de Jake White qui montrent avec 4 victoires en 5 matchs qu'il faudra compter sur eux cette saison.